sans jouer, le Maroc est devenu ce vendredi la première sélection à se qualifier pour la CAN 2023 sur le terrain à la faveur du match nul entre l'Afrique du Sud et le Liberia de moins 2 dans le groupe K des éliminatoires. En effet, dans ce groupe réduit à 3 équipes suite à la suspension du Zimbabwe par la FIFA, le Maroc, vainqueur de l'Afrique du Sud de moins 1 et du Liberia de moins 0 lors des deux premières journées en juin 2022, est désormais assuré de finir au pire deuxième, et donc d'ores et déjà qualifié pour la phase finale de la CAN, qui aura lieu en janvier-février 2024 en Côte d'Ivoire.